Audio Jungle. Bon les mecs, avant que la vidéo commence, c'était juste pour qu'ils vous disent un petit mot. Parce que à chaque fois, il doit partir avant de faire une vidéo, ce gros FDP de mort. Tu lui dis c'est un accident de travail. C'est les risques de youtubeurs. Non, plus sérieusement les gars, arrêtons les conneries. On se retrouve pour l'épisode 3 où on rencontre des gens bizarres sur Bazookam. C'est parti, c'est parti. Wesh. Ta gueule. Mais c'est des bâtards, ils nous passent tout. Oh, on dirait on est tombé contre des gens, ils ont pas d'âme. Je vais te baiser, puis te manger, puis te vomir, puis te rebaiser, puis te remanger, puis te revomir et te rebaiser. Voilà, wow, fais pas ça. Oh, Starfood là. Bonjour. Enfin quelqu'un qui nous répond. Merci de nous répondre parce que depuis tout à l'heure on se fait carailler, ça m'énerve. Bah c'est ça, hein. Ici, hein. Ils passent que les gens, hein. Ouais, moi aussi, ouais. Il parlait français, t'inquiète. Je te jure, c'est pas vrai, les filles. Mais c'est des habits. C'est quand même la musique. Despacito. On dirait trop que dans pour Despacito. Non, mais tranquille, tranquille. Est-ce que je suis beau? Est-ce que tu ferais des bisous à ce beau visage? Je sais pas, ouais. Ça veut dire non. T'inquiète, tu peux le dire, on est entre nous, je vais pas te défoncer la gueule. Mahmoud va s'en occuper. Est-ce que tu connais Mahmoud? Je connais pas. Ah ben alors on va faire connaissance. C'est lui Mahmoud. Ouais d'accord. Bah quoi, il a une belle tête, regarde. Des fois je m'amuse même à lui faire des bisous. Miss France, tu connais. Mais en fait c'est un travelot, mais faut pas le dire. Mais pourquoi tu le dis, frère? Ah, y'a mes cheveux. Ah, je m'en bats les couilles tes cheveux. Mais non, faut qu'on fasse les dreadlocks. Fais ça. Non, fais ça. Voilà. Voilà. Monstre, frère. Oh, ah. Créature, sors de ce corps. Vas-y, je mords. T'as cru que c'était les cure-dents. Two hours later. Good idea. Top of his head. On sort de la chirurgie esthétique. On a fait de la chirurgie esthétique. Là on est refait. Là on va gérer des meufs. Là on est trop beau. Tu connais. Ouh, les rides. Frère, là j'ai des lèvres de Mamadou à cause de toi. Faire un bisou. Noni. Viens, attends, viens, ça tourne. Aïe, aïe. Vas-y, c'est bon, c'est fini. On est né comme ça, c'est pas de notre faute, hein. Non, y'a pas des stick tic dedans. Des stick tic. Wesh.
Je sais que les gens nous regardent mal, mais c'est de naissance. C'est pas de notre faute. Alors, on va t'expliquer notre histoire. Ouais, notre histoire, en fait, c'est au TDI, tu vois. Ma maman, enfin, notre maman, elle a eu très très mal à la foufoune. Oui. À un bout d'un moment, le médecin, il a dit, il va falloir le faire opérer le ventre pour sortir le bébé. Au départ, à la radio, on était deux jumeaux. Mais notre maman, à nous, elle avait, en fait, elle voulait deux jumeaux normales. Ta gueule. Ah ouais, ça fait mal au cœur. Wesh. Bon les mecs, arrêtez les conneries. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tu connais le bail, on a rencontré des gens, ça fait plaisir. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour l'épisode 4. Et sur ce, nous on vous dit... Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare red raws. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, walk in the trap like a boss. Ooh, walk in the trap like a boss.